Bonjour, ici j'ai représenté en fait le nombre 37. Ça c'est une manière de le représenter avec ces petits carrés qui sont là. Alors le 3 qui est là, eh bien, il occupe la place des dizaines. Ça ici c'est la place des dizaines. Voilà, et il veut dire qu'il y a exactement 3 dizaines dans ce nombre. Et effectivement c'est ce que j'ai représenté ici. Chaque barre contient 10 petits carrés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, c'est une dizaine. Ça, c'est une dizaine. Et puis j'en ai une autre ici. Là, j'ai une autre dizaine, donc j'ai deux dizaines. Plus encore une troisième ici. J'ai trois dizaines en tout ici. Et c'est ce que j'indique là avec ce 3 à la place des dizaines, ce qui veut exactement dire que j'ai trois dizaines. Et puis, ce n'est pas tout ce que j'ai. Dans ce nombre, j'ai aussi des unités. Et ici, ce 7 qui est là, il est à la place des unités. Il est à la place des unités. Et ce 7, il veut dire qu'il y a 7 unités. C'est ce que j'ai représenté ici avec ces 7 petits carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est vraiment ça. Le 3 qui est là indique qu'il y a 3 dizaines. Le 7 qui est là à la place des unités indique qu'il y a 7 unités. Et donc j'ai 3 dizaines représentées ici, 3 paquets de 10. Et puis 7 unités libres ici. Ça veut dire que quand j'écris 37 comme ça, donc je vais respecter les couleurs, c'est 3 dizaines plus 7 unités. Donc 37 que j'écris comme ça, en fait c'est 3 dizaines, 3 dizaines. plus 7 unités. Plus 7 unités. alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai ce nombre 37 et que je lui ajoute quelque chose? par exemple, si je veux écrire, disons, on va dire 37, je vais respecter les couleurs de tout à l'heure. donc 37 plus 2, je vais ajouter 2. donc ce 2 ici, c'est deux unités. je le laisse en orange. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je vais avoir toujours le nombre 37, donc je vais avoir ce nombre que j'ai représenté ici avec des petits carreaux, plus deux autres petits carreaux qu'il faut que j'ajoute. Alors je vais en ajouter un, voilà, et un deuxième. Alors maintenant qu'est-ce que j'ai J'ai toujours mes trois dizaines qui sont là, mais maintenant par contre j'ai ces sept unités qui étaient là tout à l'heure, plus deux, et en tout j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Dans ce nombre-là, ce que j'ai, c'est 3 dizaines et 9 unités. En fait, 37 plus 2, c'est 3 dizaines. 3 dizaines. Plus 9 unités. 9 unités. Voilà. Ici, on a 7 unités plus 2 unités. On peut le voir comme ça. Donc, j'ai 3 dizaines. 7 unités plus 2 unités, c'est-à-dire 3 dizaines plus... 9 unités. On peut aussi l'écrire comme ça. En fait, 37 plus 2. 37 plus 2. J'ai 3 dizaines. 7 unités et encore 2 unités. Donc, en fait, j'ai 3 dizaines. Et puis, j'ajoute les unités. 9 unités. Donc, finalement, je peux écrire ça comme ça. C'est 3 dizaines et 9 unités. Avec un 9 ici à la place des unités.